didn't even get to cross. Yo les gens, c'est G.I. John Do et on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny. J'espère en attendant pour vous que ça va très bien, pour qu'habitude ça va nickel, j'ai la patate. Et donc on est parti pour une petite vidéo sur Destiny, tournoi d'Osiris, semaine 6, si je ne dis pas de bêtises, et que je n'ai pas loupé de semaine. Alors voilà, c'est parti, petite map, le bouclier noir. Et donc comme chaque semaine, je vais vous parler de ce tournoi, de ce que j'en pense, des armes que vous pourriez probablement utiliser, de mes loots, enfin bref, etc. De mon avis global sur cet Osiris, voilà, tout simplement. Alors je vais tout simplement vous parler, décrire ces gameplays. Alors vous avez sous vos yeux là ma 9e victoire en arcaniste, donc l'arcaniste que j'ai fait passer en premier cette semaine, donc c'était ma 9e victoire pour aller au phare. Et après vous aurez un gameplay assez, je dirais pas exceptionnel, mais il est exceptionnel en un point, c'est le nombre de kills, puisque j'ai fait 22 kills sur le deuxième gameplay en un match. Et en fait c'était, donc j'avais déjà fait mes 3 phares, vous allez, enfin je pense pas que vous le verrez parce que j'avais enchaîné. Et en fait je venais de finir mon 3e phare, donc 3e phare tranquillement. Et j'ai un pote qui avait besoin de 3 victoires de plus, donc et même ayant fait les phares, je me suis dit allez je vais l'aider, pardon. Je me suis dit allez je vais l'aider, donc c'est pour ça que vous verrez que je suis à 3 sur le pass du jugement, mais en fait c'est parce que je vais recommencer un pass et que juste pour aider un pote en fait qu'on avait besoin, voilà. Donc c'était, j'avais déjà fini mes phares à ce moment là, c'est pour ça que j'étais bien en mode assez bourrin, donc voilà c'est pour ça. Et donc je vais commencer par vous dire comment ça s'est passé pour moi cette semaine. Alors tout simplement cette semaine c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé, c'est une première pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait mes 3 phares, même plus 3 parties derrière, c'est-à-dire on va dire 7 victoires par phare, puisqu'on a tous les trucs qui rajoutent des victoires, donc ça va dire 7 victoires, 7 plus 7 plus 7 plus 3, donc 3 phares à 7 victoires plus les 3 d'après, où je n'ai fait aucune défaite. C'est la première fois cette semaine où ça m'arrive, c'est-à-dire que d'habitude les autres semaines je faisais mes 3 phares d'un coup en 3 tournois, mais ça m'arrivait d'utiliser ma clémence, parce que ça m'arrivait de tomber sur des lourds. Cette semaine, j'ai fait mes 3 phares, j'ai encore mes 3 clémences sur chacun de mes persos. J'étais sur le cul, on n'a pas perdu une seule fois ce week-end. Pas une seule fois, on n'a vraiment pas fait une seule défaite, aucune équipe n'a réussi à nous battre. Alors, je remercie déjà parce que j'ai eu des très bons alliés comme chaque semaine. Alors là, vous voyez, j'ai deux alliés assez inédits. Magic, Stador et Pellissan, avec qui j'avais jamais joué avant, à part Magic un seul tournoi. Mais voilà, j'étais assez surpris parce que c'était des gens assez jeunes, donc j'avais un peu peur, je me suis dit peut-être que ça va bloquer, mais bon je vais quand même essayer. Au final c'était d'excellents joueurs, ils ont fait de sacrés trucs et j'étais assez impressionné. Donc ça s'est passé assez bien. Et surtout le dernier tournoi qu'on a fait, où j'ai pris mon chasseur pour finir, où j'étais avec Shark et Ghost Killer. Donc on a fait nos deuxième et troisième phare avec eux. Enfin j'ai fait mon deuxième et troisième phare avec eux. Et encore une fois, bon moi j'ai l'habitude de jouer avec cette équipe, donc ça s'est très bien passé. Et là le tournoi qu'on a fait en chasseur, avec mon chasseur, donc le dernier tournoi qu'on a fait, le rocket au passage qui part à la dernière milliseconde, c'était énorme. Et le tournoi qu'on a fait avec mon chasseur, elle est passée à une vitesse. On gagnait que du 5-0, c'était abusé, on se rentrait dedans en fait, on se battait. C'est ça que j'ai bien aimé ce week-end, c'est que moi et mes alliés, limite, on se bataillait pour savoir qui ferait le plus de kills, on rentrait dedans et tout, c'était n'importe quoi. Enfin bref, j'ai surkiffé. Alors... maintenant une fois que j'ai parlé de ça, je vais vous parler de mon avis sur la map, pour moi si elle est adaptée, etc., de votre style de jeu adapté, etc. Alors tout simplement, ce bouclier noir, qu'est-ce que j'en pense? Alors, encore une fois, comme la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais les repères des voleurs, c'est une map que j'ai littéralement... détesté en multi-basique, c'est-à-dire en escarmouche, en domi, tout ça, tous ces modes-là, j'ai détesté complètement cette map. Le bouclier noir, tout comme au même titre que le repère des voleurs. Ce sont deux maps que je n'ai pas du tout appréciées en multi-basique. Mais en Osiris, je les ai adorées. C'est tout simplement des maps qui sont extrêmement bien adaptées à de l'Osiris. Pourquoi ? Et ben parce que c'est comme le repère des voleurs, c'est exactement la même config. Vous avez 3 possibilités d'attaque. La possibilité bourrine, c'est-à-dire arriver directement dans la pièce où vous avez vu qu'on était juste avant là, et c'est-à-dire que là, bam, il y a un choc direct, on se rentre dedans. Ou passer par le middle où il y a la zone, donc à ce moment-là, ça va être des combats un peu plus de distance, donc ça va être assez... à ses sniping, etc. D'ailleurs, vous allez le voir parce que j'ai fait mon premier gameplay au pompe et le deuxième, là, je vais être au sniper. Je serai au pompe au début, mais je vais très vite changer. Parce que là, vous allez voir, en l'occurrence, je me coupe, qu'on est tombé sur les plus grosses putes du monde. Hein. C'est la seule semaine où je vois ça, regardez. En fait, on est tombé sur trois mecs qui campaient fixe au spawn, mais qui n'ont pas bougé de la partie. Alors, vous auriez pu me dire... Oui, mais bon, bah, c'est bien, restez au centre et attendez que la zone elle arrive, et puis comme ça, bah, ils prennent jamais la zone et vous gagnez. Sauf que moi, j'aime pas du tout faire ça, je suis pas là pour rester 1 minute 30, planter mon cul sur une zone à attendre que ça se passe. Moi, je déteste ça, donc limite au début, c'est ce que je leur ai dit, ouais les gars, on va rester sur la zone, on va attendre, et au final, on peut pas, c'est... Moi, j'arrive pas à rester sur place et rien foutre, t'es obligé de chercher l'ennemi et de le niquer. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin dans la partie, on va changer notre strat, et j'ai un peu trop compris assez tard comment quelle strat adapter, j'aurais pu le réagir avant. Voilà, donc comme je disais, vous pouvez passer justement par là où je passe, vous voyez que c'est une zone un peu plus de sniping, et vous pouvez tout simplement bah, faire la technique des autres putes, c'est-à-dire rester au spawn, ou du moins adapter un comportement plus défensif au sniper, etc. Ou passer même tout le contour, là où il y a à ma gauche, vous voyez, passer complètement le contour, etc. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités de jeu. Et si par exemple une équipe va ici et l'autre équipe va à l'intérieur, à ce moment vous allez avoir un combat de sniper par rapport au couloir du middle, enfin bref. Pour moi cette map est vraiment très bien, très adaptée de l'Osiris. Elle est petite comme map, elle est vraiment, il y a vraiment du combat constant, les parties sont rapides, etc. La seule exception, ça va être cette partie-là justement que je suis en train de faire. Toutes les parties duraient, je crois la partie la plus rapide qu'on a fait, elle a duré 3 minutes 30. Et c'était du 4, 5 minutes, 6 minutes de moyenne en général. Donc ça va être putain, j'arrive plus à parler. C'est des parties très rapides, donc c'est très très bien pour de l'Osiris. Seule cette partie-là fait exception, elle a duré 11 minutes. Parce que regardez, c'est pas possible, les mecs ils bougeaient pas quoi. On a, toute la soirée on est tombé que sur du noob et franchement... J'insiste, hein. On a joué samedi soir, parce que vous avez vu d'habitude je joue le vendredi soir, mais là je joue plus le samedi soir en ce moment pour Osiris, parce que j'ai pas le temps le vendredi, et moi je trouve que c'est bien, et là cette semaine on est tombé que sur des noobs. Alors j'ai une petite anecdote, je pense que si on tombe que sur du noob de plus en plus, c'est tout simplement que les bons joueurs arrêtent de jouer à Osiris parce qu'ils ont tout looté. Moi personnellement je continue à jouer parce que ça me fait, je pense que c'est un des seuls divertissements que j'ai sur Destiny, où je prends vraiment du plaisir, parce que c'est limite le seul truc qui change vraiment, hein. Même si c'est assez répétitif sur la même soirée, c'est pour ça que j'y joue que un soir et pas plus, c'est la seule chose où je prends limite du plaisir, parce que tout ce qui est scolas, prison des vétérans, c'est toujours la même chose, les raids c'est toujours la même chose, enfin bref, tout est toujours la même chose, il n'y a que Osiris où ça change, où on a vraiment un esprit de compétition, et on s'amuse vraiment, franchement... j'ai bien kiffé cette semaine, surtout, enfin, comme toutes les semaines d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Je vais parler un petit peu configuration arme. Maintenant, vous avez vu qu'en première partie j'étais aux pompes et que cette deuxième partie je suis passé au sniper. Alors, comment sont déroulées ces parties pour moi cette semaine? Tout simplement, j'ai commencé avec mon arcaniste que j'ai joué entièrement aux pompes. J'ai joué ensuite entièrement avec mon titan que j'ai joué entièrement aux pompes. Et j'ai joué au chasseur. Après, le chasseur, je fais 2 parties en pompe, et après j'ai fait que du sniper. Et quand j'ai fini mon pass du jugement, et c'est à ce moment-là que j'ai été mon 3e phare, etc. Shark, qui était là, donc m'a demandé un coup de main pour finir ses 3 dernières victoires, parce qu'il est arrivé un peu tard par rapport à nous. Du coup, j'ai dit ok. Et là, je me suis dit, allez, je vais jouer au snipe pour le délire. Et... bah, de toute façon, on va pas se mentir, jouer aux pompes ou jouer au snipe, ça dépend complètement du comportement de votre ennemi déjà, et de ce que vous recherchez comme gameplay. Si vous rushez comme un gros porc, bien sûr, vous allez pouvoir du pompe. Si vous rushez dans la petite salle où je vais rusher après, pas le middle, hein, la petite salle où vous courez tout droit là, si vous courez dans cette salle là, là vous allez jouer aux pompes s'il y a du clash, si les ennemis rushent. Mais si vous jouez contre ce genre d'ennemis là, qui campe au spawn, qui campe cross map, etc. C'est pour ça que j'ai très vite passé sur un sniper. Et là vous allez le voir je crois maintenant. Ou si c'est... Non, ce 3 c'est la manche d'après. Où en fait, là, j'étais complètement con de vouloir insister à vouloir passer par le spot là, à passer par le middle, parce que je me disais qu'à la limite, si on les délogeait pas, on avait la zone. Mais c'était une couille complète. Si vous tombez un jour sur des... Enfin, pas un jour, mais cette semaine, sur des mecs qui campent comme ça à leur spawn... Ne passez plus ici, là ils ont carrément l'avantage, et j'ai mis trop de temps à m'en apercevoir malheureusement, même si ça nous a pas coûté la victoire puisqu'on les a défoncés à la fin. Il faut passer par l'intérieur, par le bâtiment à l'intérieur, et du fait d'être à l'intérieur, vous allez avoir une vue mais complètement dégagée sur leur spawn. Vous dites à un de vos potes, et c'est ce que je vais leur dire après, vous verrez la strat, Vous dites à un de vos potes, va ouvrir la porte, comme ça la porte reste ouverte tout le temps, tu restes à côté sans te montrer, et hop, vous snipez, vous mettez des balles dans le fion à tous ceux qui campent dans leur spawn, vous allez voir que c'est assez pas mal du tout. Donc si vous tombez sur du campeur, ça les met pas mal dans la merde de faire ça. Là vous allez voir, lui, regardez, c'est tellement des noobs, regardez là, juste regardez là. Là il y a mon pote qui se fait tuer, qui active sa radiance, l'autre il pète un plomb, il active sa radiance, tu sais pas pourquoi alors qu'il est pas mort, et hop il se fait défoncer, hop là au calme. Le vieux tu sais pas pourquoi il a activé sa radiance là, mais bon, il a, à mon avis il a paniqué d'un coup, il a en mode qu'est-ce que je fais, il y a deux mecs autour de moi, il y a une radiance, qu'est-ce que je fais, il a appuyé sur tous les boutons de sa manette et ça a activé la radiance, en bref il m'a bien fait délirer. Enfin bref, voilà, au niveau des armes, moi je conseillerais plutôt du revolver, j'ai tout vu cette semaine, hein, de l'exégèse, de la mort rouge, du Shuros, j'ai tout vu. Tout passe, mais là on va dire que même s'il y a du combat rapproché, on va dire qu'il y a quand même pas mal de combats mid et longue distance. Donc voilà, plus du revolver. Et vous voyez la petite technique où je demande à mon pote d'ouvrir la porte. Et à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à faire beaucoup de kills. Et vous allez voir que ça va vite s'enchaîner. Parce que là, en fait, on va dire que là, à partir de ce moment-là, j'ai carry la game complètement. J'ai fait vraiment tous les kills. J'en ai laissé quelques-uns quand même. Et c'est vrai que comme je vous disais avec mes potes, on a plutôt le... Voilà, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Alors, avec mes potes on a plutôt le truc en fait chaque semaine, c'est de se disputer les kills en mode dès qu'on voit qu'une équipe est pas de potable, genre cette semaine c'était tous les matchs comme ça, on se battait les kills en mode on rushait comme des gros porcs, non c'est à moi et tout, en fait on se tape vraiment beaucoup de barres sur cet Osiris. Et donc voilà, donc franchement pour cette semaine j'ai bien kiffé la map comme je vous ai dit, maintenant j'essaie de vous parler un petit peu de mes loots, même si mes loots on s'en branle un peu puisque ayant tout maintenant, voilà donc il n'y a pas de souci, franchement au niveau loot je m'en bats un peu les steaks quoique j'étais assez content cette semaine. Parce que j'ai commencé avec mon arcaniste, dans le colis, je crois que je me suis fait troller, ah oui, dans le colis je me suis fait troller complet, j'ai eu le casque, qu'ils m'ont jamais donné avant qu'il soit vendu, et là ils me le donnent, et ils m'ont le donné avec des stats les plus pourris du monde, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné, je crois que celui qui vendait et qu'on a tous acheté, je pense, à Ziris, il y a 2 semaines, il vendait de full intelligence, moi je l'ai droppé full force, voilà, donc déjà c'était réglé, au revoir. Ensuite je suis allé au phare, et pour ne pas déroger à la règle, un petit joyau d'Osiris en feu, puisque je l'ai chaque semaine au moins 2 fois celui-là, il me le donne tout le temps, donc ceux qui le voulaient, bah voilà, moi je vous cède volontiers ma place. Ensuite avec le titan, dans le colis, j'ai eu, ah oui, dans le colis j'ai eu le joyau d'Osiris encore, mais sans éléments cette fois-ci puisque c'est dans le colis. Et je suis allé dans le c'est là que sur les lourdes que je vais faire une petite action aussi qui était pas mal, qui a glissé toute seule. Là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas bougé, regardez là. J'ai pas mangé la déflagration au sol, j'ai vraiment eu de la chatte. Et dans le coffre j'ai eu, bah justement là où j'étais content, l'invocateur que j'ai eu en feu. Parce que l'invocateur je l'avais eu que sans éléments moi. Et c'était la seule arme principale qui me manquait élémentale. Donc j'ai eu l'invocateur feu, j'étais content, maintenant je les ai tout en un élément. Ensuite avec le chasseur, ils m'ont donné encore une fois l'invocateur, mais cette fois sans élément dans le palier d'or, et encore une fois l'invocateur dans le coffre, encore une fois en feu. Voilà, donc j'étais assez trollé, mais bon, puisqu'il me le manquait, à la limite ça me faisait un truc nouveau, voilà. Alors là au passage le gars il gratte le match nul mais d'une puissance. Le gars j'ai vraiment pas compris comment le gars il arrive à me la foutre à une vitesse pareille. Enfin tu me diras j'ai eu de la chatte quand même parce que ça doit être plus facile pour lui de me mettre une balle de sniper que moi une balle de pistolet. D'ailleurs si vous voulez faire ça en chasseur dans votre doctrine il faut absolument mettre le truc qui améliore la portée sur le pistolero. J'hésitais à le mettre et ben rien qu'une action comme ça m'a rassuré dans le fait qu'il fallait complètement le mettre quoi parce que ça sert vraiment beaucoup. Là au passage le double petit quickscope là ça leur a bien plu je pense. Et à cette partie là je vais faire pas mal de kills aussi je pense que vraiment j'ai vraiment les 3 dernières manches mais en manché. Et c'est pour ça justement que j'insiste, quand vous tombez sur une équipe comme ça, le pompe ne sert à rien. Je serais resté au pompe, j'aurais fait aucun kill quasiment. Vous voyez que là le fait d'être passé au sniper ça m'a fait vraiment mais dégommer du cul méchamment. Voilà, donc on va conclure sur ce petit tournoi d'Osiris, voilà, donc j'espère vraiment qu'il vous plaît cette semaine, j'ai réussi à tomber sur un abonné, je lui fais une dédicace à lui, c'est Geek du 62 000 je crois, je suis tombé sur lui pour ma première partie avec mon chasseur je crois, on venait d'arriver avec mon chasseur, on y allait à la première partie pour ce tournoi, et cash je vois Geek du 62 000 en scannant les ennemis. Je dis Geek du 62 000, ça me dit quelque chose. Et oui, il m'avait envoyé un message dans la journée un peu plus tôt, donc je l'avais reconnu vraiment très vite. Je me suis dit, oh, ça c'est un abonné à mon avis, on va bien rigoler. Et au final, ouais, franchement, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que j'appréhendais un peu le fait qu'il dit, ah, il a vu que j'étais, que c'était moi. Peut-être qu'il va jouer comme une pute et qu'il va vouloir ma peau à tout prix. Eh ben non, clairement pas, c'était une bonne équipe de rushers. J'avais bien kiffé cette partie, je lui ai même dit par message, les gars ils ont bien rushé, ça a rushé dans tous les sens, belle partie, je crois qu'on a gagné 5-2 ou 5-3, enfin bref quelque chose comme ça. C'était une belle partie, ça rushait beaucoup, hein, j'ai été surpris du rush qu'ils ont fait au début même. Et ah oui, là donc là vous avez un petit bonus, c'est la connexion de merde de Ghost Killer. Alors c'est-à-dire qu'il a une bonne connexion ce gars-là, hein. Tout le temps vous l'avez vu sur la partie d'avant, il a une bonne connexion. Mais sa connexion a craché pendant une partie, regardez, on était complètement foutus, là, on allait perdre la manche, et regardez, regardez là, il y a Ghost qui se fait bourriner, je sais mais qu'est-ce qu'il fait, il bouge pas. Et là je vois, mais il est immortel ou quoi, il se fait défoncer, il bouge pas. Et là regardez, je me fais réanimer, sorti nulle part, du coup je peux repousser l'ennemi qui prend panique et qui fuit pendant que je réanime, du coup je peux m'esquiver sur le côté et faire une double, et là c'est le clutch complet, regardez, là je me fais buter parce que voilà, il fallait pas non plus se leurrer. Et regardez, c'est toujours pas fini Ghost, regardez, regardez comment il bug. Le pauvre gars en face, je me mets à leur place, franchement je suis dégoûté pour eux, parce que moi un truc comme ça, ça m'arrive, je pète un plomb. Et là on leur vole la game, mais c'était complètement abusé, parce que Ghost il a une connexion qui est un petit peu fluctuante, enfin voilà. En attendant les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi pour ma part, je vous dis à la fois prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.